de Lyon, et j'ai de l'eau salée dans mes veines. J'ai une âme de pêcheur qui est tatouée sur mon cœur, les belles îles de la Madeleine. À toi qui prends le temps, dispose d'un instant, de bien vouloir t'arrêter chez moi. Laisse-moi te raconter quelque part du passé, des histoires d'Astor et d'autrefois, de ce bel héritage, de ces hommes de courage qui ne sont pas inscrits dans les livres, ne l'ont pas eu facile, mais en fait de mes îles, un petit coin où il fait bon vivre. Que tu puisses découvrir avant de repartir la beauté des trésors de mes îles. Que tu puisses goûter à cette liberté qu'on retrouve au cœur de mes îles. Certains font le trésor, d'autres le cherchent encore. On n'a pas l'heure, mais on a le temps. Le temps d'écouter, le temps de partager le langage de la mer et du vent. Toi qui viens d'ailleurs, je te souhaite de tout cœur que tu aimes les îles et que tu reviennes. Que tu puisses dire un jour, je suis tombé en amour avec les îles de la Madeleine. Que tu puisses dire un jour, je suis tombé en amour avec les îles de la Madeleine. Dans le moment présent, c'est grâce à ma petite fille. Ma petite fille, elle chantait avec moi le temps passé, puis quand Anthony, ma petite fille, chantait avec moi, ils approuvent le sac. Puis pourquoi je perds la vie? Puis de voir mes petits enfants, une fois de temps en temps, puis c'est fan du gouvernement du Québec, il a mis sur le gouvernement nos enfants, ils nous payent 60% du voyage. Fait qu'ils nous rendent pas 60% du billet d'avion, depuis le temps passé. Puis évidemment, c'est fan parce qu'au moins, on peut aller voir plus souvent, c'est montrer un petit peu. C'est un peu normal, on est sur l'île, on est poigné sur l'île. Hein. Ça m'est fait du bien, on a deux millions, en faire ça. Et elle, elle a